qui ont été... Allez, mesdames et messieurs. Des avions victorieux, vous pouvez saluer les pilotes, ils vous voient très bien dans leur cockpit ouvert. Alors regardez bien, certains portent une écharpe, particules d'huile qui se déposaient sur les lunettes. Ça servait accessoirement à se protéger le cou lorsque l'on tournait la tête pour regarder dans tous les sens s'il y avait des avions adversaires. Le Stamp, tu l'évoquais un instant Michel, SV4, avion d'entraînement pensé par deux ingénieurs au début des années 30, deux ingénieurs belges, Jean Stamp et Maurice Verfugel pour le sigle SV. Le Stamp a été construit à la demande d'une des anciennes. Il fallait à tout prix renvoyer les Américains sur leur route. En décembre 1941, le 7 décembre 1941, l'aviation japonaise...
Alors derrière, je dis que c'est des faux frais, pourquoi ? Ils sont très efficaces dans les plans de temps. Ils sont construits avec des matériaux modernes, avec des matériaux modernes, avec des moteurs modernes. Parce que pour voler sur le dos, il faut que le moteur soit alimenté. Et il n'était pas qu'il avait été sur le dos. Il a donc fallu modifier les moteurs. Et les Allemands étaient parmi les premiers à le faire, et donc à remporter des compétitions. Regardez, deux positions finales. Les pilotes, on agite les chapeaux, on agite les mains, parce que là, ils nous voient très bien. C'est la place aux alternatives du haut. Magnifique patrouille. On espère que cette démonstration de voltige vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. On les a tous. Et on s'est tout dit. Dans ce prochain championnat du monde, pour de nouvelles médailles, pour de nouveaux titres, Florent. Alors, le prochain championnat du monde sera l'année prochaine. D'une navette, un avion Robin, héritier. Émotion sur ce vol, merci à vous.
be eaten. Voici les fruits, les fleurs, c'est-à-dire un avion plein d'heures. It's a new life. Voici la patrouille alternative bio de Benoît David et Anthony Bézard. 78 chevaux à eux deux, c'est-à-dire 39 chevaux par avion. René Fournier, un petit monoplace qui volait à 180 km/h en consommant 2 litres d'essence. René Fournier, tu parlais tout à l'heure d'un de jeune vieux monsieur, René Fournier, originaire du Loir-et-Cher. Aujourd'hui, j'ai 102 ans et toujours la foi. Bon, pied pour deuil, un personnage d'une douceur incroyable, un personnage extrêmement agréable. Mais qui a eu beaucoup de valeur, parce que pour qu'un avion soit commercialisé, il faut qu'il ait une garantie de l'État. Pour avoir cette garantie de l'État, il faut qu'elle réponde à certaines normes. Quand il a été construit en 1960, il n'existait pas en France de normes adéquates. Par conséquent, cet avion a surtout été construit à l'étranger, au Brésil et en Allemagne. D'où cette désignation de RF4, Development Production. On est arrivé à cette absurdité. Que l'avion immatriculé en France ne pouvait pas faire le voltige, mais le même immatriculé en Allemagne était autorisé. Une des plus anciennes patrouilles britanniques, une des plus anciennes patrouilles d'Europe passées par les paradoxes. Voici donc le Dublin Display du Tiger Club. Les quatre pilotes, Alex Regnier, Dave Hall, Dave Brothers et Adam Parnell. Alors si je comprends bien, ça fait 108 chevaux à E4, 27 chevaux par machine. Typically British. On se dit ça, c'est des avions pour aller prendre le pique-nique sur les pistons d'herbe. Mais les Anglais, souvent, ils prennent les gens à contre-pied. On croit qu'ils vont nous faire quelque chose de charmant, quelque chose d'un peu mondain, quelque chose de sandwich champagne avec des paniers d'osier. Eh ben non, ils vont nous faire... Ils vont nous faire ce que l'on n'attend pas d'un avion ou ce que l'on voyait autrefois, parce qu'on pour un peu parler encore du passé d'aviation, ce qu'on voyait autrefois, mais ce qu'on ne voit plus nulle part que avec le turbulent display. Je trouve finalement que le mot turbulent prend tout son sens. Alors le turbulent est donc un avion de construction amateur, c'est-à-dire que l'on peut construire soi-même, on achète les plans. Et avec beaucoup de courage. Mmh.
bondi autour de l'avion. Merci, Maxime. Stradivarius de l'air. Et ce gamin qui va jouer du violon dans quelques instants, c'est le petit prince Gavroche, comme l'avait surnommé Bernard. Il s'appelle Rafael Jiménez. D'Auray fait décoller du Bourget quand il était à plein gaz, il était à plein gaz jusqu'au pilote. Tu pensais que le moteur a fait bonjour le couple décollage. Non, pas trop, parce que si ça se faut, la masse... Il du pied quand même, ouais. C'est qu'il a fait 1200 mètres pour décoller, et quand il est arrivé sur la Belgique, il était encore qu'à 500 mètres. Donc il a fait Paris-Bruxelles pour prendre 500 mètres. Et c'est pas étonnant qu'au-dessus de la Sibérie, le moteur ait cassé. Donc vous voyez ce que peut faire le Stork. C'est une particularité, c'est dans cet immense cockpit très bien vitré avec une visibilité formidable. À côté du pilote, sur la gauche, il y a un amas de chaînes de vélo, d'engrenages de manivelles qui servent à commander les dispositifs hyper sustentateurs qui sont très compliqués sur cet avion à l'époque
C'était des grands voleurs, on les verra à l'atterrissage, mais c'est très court l'atterrissage avec cet avion, et des becs. Pourquoi un train aussi haut, Michel? On est par-dessus. Alors le gros problème de tous les avions de combat de la Deuxième Guerre mondiale, c'est les casques d'échappement. Donc voici, majestueusement, Tata Jus. Tanju, voilà, la Tanju majestueuse. Qui a été l'avion de liaison d'Adolf Hitler. Oui, il en a eu un, oui, avant d'avoir un Condor, il en a eu un, mais il y en avait tellement, mais oui. 1452. C'est un avion qui vole quasiment ici à sa vitesse maximale. Hein. Ça va pas plus vite qu'un avion de tourisme. Ça va moins vite que les ULM qu'il y a sur le parking. Ah ben là, moteur 100 chevaux. Un dynamique, ça va beaucoup plus vite que ça. Un dynamique, c'est 110 nœuds. Lui, c'est moins. Ah, lui, c'est beaucoup. Hein. Ah, il faut écouter ces avions. Parce que le son des moteurs BMW, en fait, c'est la version espagnole du moteur BMW 132 qui faisait 600 chevaux, c'est ça. Écoutez bien, parce que le moteur, il a un tout rond rendement. Vous avez une espèce de feulement tout autour. C'est simplement le bruit de l'air autour de l'avion. Il y a tellement de traînées que ça faisait le bruit. Alors c'était l'avion de transport de la Luftwaffe, c'était même le seul qu'ils avaient jusqu'en 1945, a priori quelques autres, mais c'était vraiment le seul. Et il a subi des pertes colossales. Et le nombre des Junker 52 n'a pas cessé de diminuer. Thank you.
donner cet avion au corps des Marines qui ont compris qu'ils avaient entre les mains un véritable avion multi-rôle bien avant l'heure. Le premier vrai multi-rôle de l'histoire, puisque le corps des Marines, pendant toute la guerre du Pacifique, utilisait le Corsair depuis les bases terrestres pour faire de l'appui-feu, du bombardement à basse altitude et en plus de la chasse. Le Corsair avait une autre caractéristique, c'était un avion en quelque sorte pour courrier. Il avait des pattes assez longues et donc les ingénieurs avaient poussé le raffinement même avec à l'intérieur du cockpit un cendrier et un petit réceptacle qui la taille d'un petit paquet de cigarettes à gauche du pilote. On lui avait mis aussi des grands volets, une crosse d'abordage, ce qui a donné l'un des avions les plus mythiques de l'histoire de l'aviation. Corsair piloté, comme à l'habitude, par Baptiste Salis. Il a de la chance, le Vénard. Et les deux T6 transformés en zéro par Romain Deveau et Stéphane Canu. Excusez-moi,
pense à la sono. De temps en temps, on se crie dessus. Ça c'était McLean, ça, hein. C'était le mécano qui gueulait véritablement après Papy Boynton. Voilà, Baptiste a sorti le train. Le corsaire. Très moderne. Dernier avion de combat de l'Air Force avait été surnommé par les pilotes du Vietnam le SPAD, en référence au SPAD de 1917. Alors cet avion en réglère, c'est la version la plus moderne de cet avion. Chasse qui est à Montélimar.
si vous êtes passé, où est-il passé pendant les vacances en descendant vers le sud. Ça vaut pas le coup de s'arrêter, peut-être pour faire des boutiques de nougat et puis pour aller visiter ce musée. Capitaine Butin qui s'est adressé à vous depuis son rafale. Mesdames et messieurs, le rafale se dispute juste devant vous. Ce n'était pas une vrille. La vrille est une sorte de spirale. L'avion à la verticale. Ça s'appelle là-haut énergie potentielle et ça se transforme en énergie cinétique. Il faut que l'une et l'autre soient égales. Sous vos applaudissements, vous pouvez les encourager. Formation flèche tricolore pour vous. Et l'honneur de la date de création 1953. Atos 2 et 3 sur la tranche et Atos 7 et 8 en barrique autour d'eux. Va alterner des phases de vol ventre et vol dos, tandis qu'Atos 8 va effectuer des barriques à seulement quelques mètres. Regardez cette sortie magnifiquement synchronisée. Et de 3 et de 4, 4 barriques, une montée symétrique et une. La bombe de la Patrouille de France 2023. De nos extérieurs.
Le rêve de voler, de dessiner de belles courbes dans le ciel comme un dessin d'enfant, c'est donc comme une évidence que la patrie de France a décidé d'être marraine de l'association Rêve pour cette saison 2023. Cette association aide des enfants à réaliser leurs rêves et passer avec nous des moments de partage pour leur faire oublier l'espace d'un moment, leur quotidien parfois difficile. Une sortie de la patrouille en griffes, des tonneaux simultanés, regardez bien, et sur le dos, il subit donc du facteur de charge négatif, et en bleu, et bien aussi s'effectue lui des barriques, en même temps, il s'inscrit dans une trajectoire courbe. Celui du leader. Et l'objectif, c'est de ne faire qu'un, et d'en faire surgir 6. C'est un combat, vous l'avez entendu, hein. C'est un combat où nous avons entendu un pilote s'exprimer, exprimer sa joie durant ce combat.